Coucou la Team Colors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Il faut que je prépare tout en avant pour que quand je vais revenir, je puisse promouvoir notamment la Saint-Valentin. Là, je suis en plein solde. Il faut savoir que j'ai commencé il y a un mois, mais je fais les soldes. C'est génial. Et là, actuellement, bah, je vais préparer les commandes. Quand je vois mes commandes, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Et merci beaucoup. Bref, je vous cache les informations. Du coup, là, comme vous voyez, j'ai 4 commandes. Les 3 premières font des remises par voie postale, c'est-à-dire que je vais les faire en priorité. Et la remise en main propre, ça sera pour samedi de toute façon. J'envoie mes commandes dans des enveloppes à bulles. Je mets ma carte de remerciement. Il faut savoir, quand j'ai commencé, j'écrivais un mot. Maintenant, j'ai une carte de remerciement. C'est tellement beau, c'est tellement coloré. En gros, ça représente vraiment genre la marque. J'ai également une carte de fidélité. On a besoin. Make-up artiste, voilà, pour savoir se promouvoir. La lumière n'est pas trop ça. Je vais me coiffer parce que je vais faire un tuto pour Insta. Du coup, la coupe que je vais faire, c'est avec une frange un peu sur le côté. Je vais prendre mon frais pour pouvoir toucher les petits cheveux. Accentuer davantage l'effet slick, je vais mettre un foulard. Maintenant, place au make-up. Voilà le look final. On reste dans le soft, mais le petit côté rosé, ça rappelle la Saint-Valentin. Franchement, c'est hyper joli, j'aime beaucoup. J'ai pris des belles photos, franchement. Salut, là je viens de la poste, j'ai déposé les colis. Là j'ai vite au centre commercial avant que ça ferme. Pour acheter un fond, parce que demain je dois faire un shooting pour la promo de ma box spéciale Saint-Valentin, parce que je vais faire une box genre avec quelques produits dedans. Du coup, je dois faire un shooting pour promouvoir la box, donc j'ai besoin d'un fond. Je vais aller voir s'ils ont un drap en satin ou en tissu en coton, quoi, rouge ou blanc, on verra bien. Donc voilà,
Et les fossiles que je porte, c'est des carènes. Ça se voit pas bien, mais je porte des fossiles carènes au cas où. Je suis déçue. Il n'y a pas de drap rouge, mais que des draps blancs. Pourtant, pour mon fond, j'ai besoin d'un drap rouge, en fait. Ça va faire plus ressortir. Non, ça, c'est un rouge bordeaux. Mais combien? Bah, finalement, je vais prendre une nappe. J'ai vu une nappe rouge comme ça. Au lieu du plaid que j'ai trouvé. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau jour du vlog. J'ai une vidéo à faire. Une vidéo spéciale Saint-Valentin. D'ailleurs, j'ai une nouvelle perruque que je dois porter. Et je vais vous montrer les colis que j'ai récupérés hier à la poste pour mon shooting de demain. Ça, c'est les cartons que j'ai utilisés pour pouvoir faire ma box spéciale Saint-Valentin. J'ai acheté également des bandes comme ça pour faire des petits nœuds. Mais je suis déçue parce que je m'attendais à quelque chose de grand. C'est hyper petit, du coup, je vais devoir couper ça en deux. J'ai acheté un papier comme ça pour mettre à l'intérieur. Deux paquets de pétales de rose. Ça, je les ai achetés chez Action. Le reste, je les ai achetés sur Amazon. Et j'ai acheté également des enveloppes pour pouvoir mettre ma box. Et j'ai acheté un peigne chauffant comme ça sur AliExpress. Quelque chose que j'avais pas et je voulais absolument. Au niveau des baby hair, des lèvres frontales et tout, je vois que ça fait vraiment un effet vraiment slick. Donc. Et j'ai également récupéré un colis de chez Mega Prévolution. J'ai acheté un kit concealer pour mes prestations parce que même si j'ai des anti-cernes genre individuels et tout, mais c'est hyper bien d'avoir aussi en kit comme ça au cas où pour avoir quelque chose de plus complet. Et j'ai aussi pris un bronzer. La teinte que j'ai pris c'est Deep 05, mais j'ai l'impression que c'est hyper foncé. De toute façon, je vais l'utiliser tout à l'heure pour la vidéo spéciale Saint-Valentin. Mais j'ai l'impression que c'est hyper foncé, du coup on verra bien. Vidéo spéciale Saint-Valentin, je vais mettre cette perruque que j'ai achetée sur AliExpress, c'est du 16 pouces. À la base c'était venu fuchsia, rose fuchsia. Du coup j'ai refait la couleur pour avoir un petit rouge bordeaux parce que le but c'était d'avoir du rouge bordeaux. Du coup là je vais faire un brochet, ensuite je vais lisser pour que ça fasse bien slick. Voilà à quoi ressemble mon setup pour filmer. J'ai une ring light que j'ai achetée depuis que j'ai commencé. C'est mon premier investissement parce qu'il faut vraiment de la luminosité comme vous voyez. Ça frappe vers où je suis. Je tourne avec un appareil photo au cas où si ça peut intéresser. Celui-là c'est un Canon 750D avec l'objectif fourni. Voilà à quoi ressemble ma table plus ou moins. J'ai mes pinceaux là. Là, j'ai mis mes affaires pour me coiffer vu que je vais utiliser la perruque qui est là. Et là, j'ai mon PC qui me sert de moniteur. J'ai également des batteries. J'en ai trois parce que c'est hyper important d'avoir des batteries. J'en ai déjà une qui est en train de charger. Et j'ai mon disque dur qui est là. Et voilà. Voilà le résultat final de mon make-up. J'ai fait un smoky pour casser en fait l'effet trop de rouge, tulle rouge. Comme ça, ça va bien casser avec mes cheveux. Et j'aime bien le résultat. J'aime bien. De toute façon, vous verrez ça. Je vais un peu vous montrer ma table à l'heure actuelle. Vous allez rigoler, ma table, c'est du n'importe quoi. Vous savez, quand on filme et qu'on termine, en fait, c'est le rangement en fait qui est hyper chiant. C'est pas genre le début, mais c'est la fin. Voilà à quoi ressemble ma table une fois finie. Et je vais devoir ranger tout ça et laver mes pinceaux parce que c'est le jour où je dois laver mes pinceaux. Et voilà. Sur ce, la Team Color, ce vlog se termine ici. Dites-moi si vous aimez ce genre de vlog. Si vous aimez en fait les vlogs en général, j'hésiterai pas à vous en faire parce que j'ai décidé d'être vraiment active.
Du coup, bah, donnez-moi des idées de contenu, quoi. Parce que moi, ma tête, c'est pas trop ça. Et pour ma part, bon, j'en ai terminé ici. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.